La musique peut-elle faire naître une flamme? Avez-vous déjà ressenti le pouvoir d'une chanson? Cette énergie indéniable qui résonne au plus profond de votre âme? La musique a cette extraordinaire capacité à nous connecter, à évoquer des émotions et même à attiser les flammes de l'amour. Dans l'univers musical, où passion et créativité se rencontrent, certaines histoires captivent nos cœurs et nous laissent sur notre faim. Voici l'histoire de Charlotte Cardin et Alyosha Schneider, deux musiciens talentueux dont les chemins se sont croisés, créant une symphonie d'amour et de musique. Quelle chanson vous transporte instantanément vers un moment d'intense émotion? Partagez votre souvenir musical le plus marquant dans les commentaires ci-dessous. Une rencontre fortuite. Quand une scène partagée enflamme une histoire d'amour. C'est une histoire qui commence par une simple coïncidence, mais qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Au cœur vibrant de la scène musicale montréalaise, le destin a orchestré une rencontre entre Charlotte Cardin et Alyosha Schneider. La ville de Montréal, connue pour sa riche culture musicale et ses nombreux talents émergents, a été le théâtre de cette rencontre inoubliable. Nous sommes en 2014, et les deux étoiles montantes se retrouvent à partager la scène pour un concert hommage au légendaire Serge Gainsbourg. Ce concert, qui a attiré de nombreux amateurs de musique, a été l'occasion pour Charlotte et Alyosha de montrer leur talent exceptionnel. Ils étaient loin de se douter que cette rencontre fortuite allait se transformer en une histoire d'amour intemporelle. Ce qui a commencé comme une simple collaboration musicale a rapidement évolué en une connexion profonde et sincère. Les deux artistes, avec leur talent indéniable et leur présence scénique captivante, ont laissé une marque indélébile l'un sur l'autre ce soir-là. Leur performance a été saluée par le public et les critiques, mais c'est leur connexion personnelle qui a vraiment marqué les esprits. Les premières impressions sont primordiales. Elles peuvent déterminer la direction que prendra une relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Quelles qualités pensez-vous que Charlotte et Alyosha ont trouvées attirantes l'un chez l'autre lors de leur première rencontre? Était-ce leur passion commune pour la musique, leur charisme naturel ou peut-être quelque chose de plus subtil et indescriptible? Discutons-en dans les commentaires. Partagez vos pensées et vos expériences sur les rencontres fortuites qui ont changé votre vie. Peut-être avez-vous aussi une histoire d'amour née d'une rencontre inattendue? La scène musicale de Montréal est un véritable creuset de talent et de créativité. C'est un endroit où les artistes peuvent se rencontrer, collaborer et parfois tomber amoureux. Charlotte et Alyosha ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres de la magie qui peut se produire lorsque des esprits créatifs se rencontrent. Depuis cette première rencontre, Charlotte et Alyosha ont continué à collaborer et à se soutenir mutuellement dans leurs carrières respectives. Leur histoire d'amour est devenue une source d'inspiration pour de nombreux fans et artistes. Les fans de Charlotte et Alyosha ont été témoins de leur évolution, non seulement en tant qu'artistes, mais aussi en tant que couple. Leur amour et leur passion pour la musique ont créé un lien spécial avec leur public. Dans de nombreuses interviews, Charlotte et Alyosha ont parlé de l'importance de leur relation et de la manière dont elle a influencé leur musique. Ils ont partagé des anecdotes sur leurs premières impressions et sur la façon dont leur amour a grandi au fil du temps. Montréal, avec son ambiance unique et son énergie créative, a été le cadre parfait pour cette histoire d'amour. La ville continue d'inspirer et de nourrir les artistes, créant des moments magiques et des souvenirs inoubliables. En fin de compte, c'est l'histoire de deux âmes créatives qui se sont trouvées sur une scène partagée et dont l'amour a été nourri par leur passion commune pour la musique. Une histoire qui continue d'inspirer et de toucher les cœurs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager cette vidéo si elle vous a touché. À la prochaine! Jongler avec l'amour et les paroles, le délicat équilibre de la collaboration. La collaboration artistique entre deux personnes qui s'aiment peut être une expérience profondément enrichissante, mais elle est aussi parsemée de défis uniques. Les débuts de leur relation ont été marqués par une danse délicate entre amour et ambition.
Charlotte et Alyosha ont dû apprendre à jongler entre leurs aspirations personnelles et leur désir de créer ensemble. Charlotte et Alyosha naviguaient tous deux dans le monde exigeant de la musique, leurs carrières individuelles prenant leur envol. Charlotte, avec sa voix envoûtante et ses paroles poignantes, et Alyosha, avec son style unique et sa passion pour la musique, ont chacun trouvé leur propre chemin vers le succès. Ils ont compris l'importance de nourrir leurs propres voix artistiques tout en explorant la magie de la collaboration. Travailler ensemble leur a permis de découvrir de nouvelles facettes de leur créativité et de repousser les limites de leur art. Le couple a choisi de garder sa relation secrète, se concentrant sur la construction de bases solides, loin des regards du public. Ils savaient que pour que leur relation prospère, ils devaient d'abord se comprendre et se soutenir mutuellement, sans l'influence extérieure. Collaborer avec l'être aimé peut être à la fois exaltant et difficile. Les moments de création partagés peuvent renforcer les liens, mais ils peuvent aussi mettre en lumière des différences de vision et de style. Comment pensez-vous qu'ils ont trouvé un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle au cours de ces premières années? En apprenant à communiquer ouvertement et à respecter les besoins et les limites de chacun, ils ont pu créer un espace où leur amour et leur art pouvaient coexister harmonieusement. Partagez votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà collaboré avec un être cher sur un projet créatif? Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Nous aimerions entendre vos histoires et vos réflexions sur ce sujet fascinant. Sous les feux de la rampe, une histoire d'amour dévoilée. Charlotte Cardin et Alyosha Schneider, deux artistes talentueux, ont captivé le monde non seulement par leur musique, mais aussi par leur histoire d'amour touchante. Leur relation a commencé discrètement, loin des projecteurs, mais leur amour a rapidement pris de l'ampleur, devenant une source d'inspiration pour beaucoup. Au fur et à mesure que leur amour grandissait, leur synergie créative s'intensifiait également. Travaillant ensemble dans le studio, ils ont trouvé une harmonie parfaite.